participé à ce village, c'est ça? Vous venez d'abord de quel département? Je viens de département des Plateaux. Des Plateaux. Ah bon? Au Plateau, on pratique le jiu-jitsu? Oui, nous avons beaucoup de jiu-jitsu et de judo. Ah, vous êtes combien là-bas? Bon, à peine 7 athlètes. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous tirez de ce stage? Un stage? Le stage va me porter de beaucoup. Et ce que je n'en fais pas, je vais en posséder comme archive et aller enseigner ceux qui sont restés là-bas. Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés dans ce stage? Oh, bon, pas tellement. Bon, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce stage? Le stage, ce qui m'a marqué vraiment, c'est la première fois. Depuis que je fais les jiu-jitsu, c'est la première fois que j'ai un stage des Européens qui descendent au Congo. Comment ça m'avait surpris. Et jusqu'à présent, je suis épuisé. Alors, quel est votre message à l'endroit des pratiquants du jiu-jitsu qui sont au plateau? Alors, je leur dis tout simplement d'être patient, d'apprendre. Et un jour aussi, ils vont se faire des sorties, arriver jusqu'à Brazzaville ici, pour les stages, compétitions et autres. Alors, vous avez certainement un mot à l'endroit de l'expert quand même? Oui.